qu'un enfant de BCK de louer le Seigneur. Dis, je suis une étoile. Encore. Ou bien tu ne crois pas, dis-le fort. Amen. Écoutons les mêmes versets pour nous permettre de nous souvenir de ce qu'on a démarré déjà le vendredi dernier. Nous écoutons le pasteur Josiane. Je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 2, verset 1 à 2. Matthieu 2, verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dis à quelqu'un, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qui vient de naître? Où est le roi de cette famille? Où est le roi de cette? Où est le roi de cette nation? Où est le roi de cette? Où est le roi de mon quartier? Où est le roi de? Où est le roi de cette génération? Où est le roi de cette génération? Car nous avons vu son étoile. Car nous avons vu son étoile en Orient. Dis à quelqu'un en Orient là-bas. En Orient là-bas. Oui. Et nous sommes venus pour l'adorer. Parole de Dieu Tout-Puissant. Acclame le Seigneur Jésus. Deuxième passage, Psaume 147, verset 4. Psaume 147, verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il compte le nombre des étoiles. Et il leur donne toutes les noms. Et il leur donne à toutes des noms. Donc parole chaque de Dieu, étoile a un nom. Acclame le Seigneur si tu es une étoile. Et assieds-toi comme une étoile. Alléluia. Le vendredi dernier, nous avons vu que tout est question d'étoile. Nous avons vu que avant que quelqu'un ne naisse, son étoile naît d'abord. La première personne qui vient au monde n'est pas l'être humain. La première personne qui apparaît, c'est l'étoile. Chaque homme, chaque femme est relié à une étoile. Et cette étoile caractérise ta destinée. Entends par là la destination de ta vie. Dans destination, il y a destinée. Dans destinée, il y a destination. Chaque homme est né pour une destination. La plupart des personnes qui disent ma vie tourne en rond et je ne me retrouve pas, souvent c'est à cause de la sorcellerie ou de Satan. Mais souvent aussi c'est parce que le diable les a placés sur une mauvaise destination. Donc je vais quelque part, mais ce n'est pas le lieu de mon étoile. Pour pouvoir amener quelqu'un à rater sa bénédiction, souvent on te met sur le chemin qui est contraire au chemin de ton étoile. Dis à quelqu'un ce matin, je retrouverai mon chemin. Je retrouverai mon chemin. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire que si tu te reconnais comme une étoile, il faut que tu prennes le chemin de l'étoile par excellence. L'étoile par excellence, c'est l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, en Matthieu chapitre 2, lorsque Jésus va naître, l'étoile va apparaître. Mais ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est que les mages qui sont venus adorer le Seigneur Jésus viennent d'un endroit qu'on appelle l'Orient. Entre l'Orient et le lieu où Jésus est né, cela fait plusieurs mois. Mais lorsqu'ils arrivent, ils disent, nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Pourquoi? Parce que nous avons vu déjà son étoile en Orient. Mais entre l'Orient et là où il est né, il faut des mois avant d'arriver. Ça veut dire que Jésus vient de naître, mais eux, ils ont déjà vu des mois avant son étoile dans le ciel. Ce qui veut justifier que l'homme naît, mais son étoile naît avant lui. Donc si quelqu'un arrive à manipuler ton étoile, il sait déjà qui va venir dans le monde. Donc beaucoup de personnes ne sont pas encore nées. Beaucoup de gens sont encore dans le fin fond du ventre de leur mère. Mais leur étoile apparaît déjà. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. On peut manipuler l'étoile de quelqu'un et sa vie va tomber dans un chaos. Je vais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, Dieu va restaurer ton étoile. Si jamais tu veux voir la gloire de Dieu, il est obligé de restaurer ton étoile. Dis Amen. Maintenant, écoute-moi maintenant. La Bible dit, les mages ont vu l'étoile en Orient. Ce matin, nous sommes en train de parler de quoi? Vaincre les chasseurs d'étoiles. Il y a des gens qui ne pourront jamais arriver à être ce qu'ils doivent devenir. Pour la simple raison que leur étoile a croisé un chasseur d'étoiles. Les chasseurs d'étoiles sont ceux qui savent déjà ce que Dieu a destiné que tu deviendras.
Des gens te regardent et te traitent de quelqu'un qui est paresseux. Oh, pourtant tu sais que tu n'es pas paresseux. Tu sais que tu travailles, tu sais que tu te cherches, mais tu n'arrives pas. Ce qui est facile pour les autres est toujours un combat pour toi. Parce que Satan est le seul qui sait qui est une étoile et qui n'est pas une étoile. Il y a des personnes dans des vies qui disent, mais pourquoi les autres avancent et moi je suis toujours combattu? Parce que les autres sont des suiveurs, mais toi tu es une personne originale, une personne qui va apporter un changement. Écoutez-moi très bien ce matin, les étoiles sont toujours combattues. Comment reconnaître que je suis une étoile lorsque je ne nais pas dans un palais? Aucune étoile ne naît dans un palais. Il faut te documenter sur la vie des étoiles, sur la vie des stars. Ils naissent quelque part. On dit il est né d'un père modeste, d'une femme qui n'avait rien. Il a commencé dans un village, mais aujourd'hui il est sur le tapis rouge. Tu pleures parce que tu es né quelque part. Aujourd'hui tu es en train de regarder pour envier la famille des autres. Et si mon père pouvait être président, nous avons raté cet épisode. Nous sommes maintenant à l'épisode des personnes par qui leur père sera reconnu. Ce n'est pas ton père qui fait de toi quelqu'un, mais c'est à partir de toi qu'on respectera ton père. C'est à partir de Jésus qu'on a respecté Marie. C'est à partir de toi qu'on respectera ta famille. Pourquoi penses-tu que tu es né mais que tu ne ressembles pas à tes frères? Pourquoi penses-tu que tu es né? Même un aveugle sait qu'il y a une différence entre toi et les gens de ta famille. Je ne parle pas de l'habillement, je ne parle pas de la forme, je parle de l'intérieur de la pensée. Tes frères et tes sœurs jouent aux dames au quartier, mais toi quand tu rêves grand. Tes frères et tes sœurs pensent à des petits projets, mais quand toi tu rêves, tu vois millionnaire. Tes frères et tes sœurs préparent la maison, mais quand toi tu regardes ta vie, tu vois une directrice générale. Les gens te traitent d'orgueilleux, mais ils ne savent pas que tu fonctionnes dans la trajectoire de ton étoile. Écoute-moi très bien. Aussi vrai que Dieu m'a appelé, cette année tu brilleras. Cette année tu brilleras. Cette année tu brilleras. Au nom de Jésus, dis-moi un bon amen et j'accélère la prophétie ce matin. Les mages se sont déplacés. Les mages sont venus d'Orient. Les mages n'étaient pas les voisins de Jésus. Les mages n'étaient pas les voisins de Marie. Les mages n'étaient pas les voisins de Joseph. Ils sont venus d'Orient. Ne t'attends pas, étoile, à ce que les gens de ta famille te reconnaissent. Ils vont te combattre parce qu'ils ne te voient pas tel que tu es. Les gens du quartier n'ont pas reconnu Jésus, mais des mages qui étaient loin là-bas, c'est eux qui ont pris l'avion, c'est eux qui ont marché et sont venus vers toi. Les gens de ta famille ne connaissent pas ta valeur. C'est pourquoi ils passent le temps à te critiquer. Les gens de ta famille ne connaissent pas qui tu es. C'est pourquoi ils cherchent à te tuer. Mais tu ne peux pas être arrêté parce que tu es une étoile. Qui le veuille, qui ne le veuille pas, tu es né pour briller. À qui je parle ce matin? 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 Quelqu'un doit essuyer ses larmes. Tu dis, ma famille ne m'aime pas. Ils ne peuvent pas t'aimer parce qu'ils sont ta famille que sur le papier. Mais ta véritable famille, c'est PCK Ministry. Ta véritable famille, c'est Jésus. Ta véritable famille, c'est ton église. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu es venu à un rassemblement d'étoiles. Ici, nous connaissons ta valeur. Ici, nous savons qui tu es, à qui je parle. À qui je parle ce matin. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? La gloire de Dieu va te localiser. C'est la fin du film qui fait pitié. C'est la fin du film qui fait pitié. Il arrive des moments où tu te demandes si ton père est vraiment ton père. Il arrive des moments où tu te demandes si ta mère est vraiment ta mère. Tellement elle te maudit tous les jours. Tellement personne ne veut te considérer. Ils font des réunions entre eux. Ils ne t'informent jamais. Ah, il y a eu une réunion. Oh pardon, on avait oublié de t'informer. Tu es l'oublié de ta famille. Tu es l'oublié des gens. Mais il arrive un temps et le temps est déjà arrivé où les mêmes qui t'avaient oublié vont se souvenir de toi. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs deviendra la principale de l'angle au nom de Jésus. Les mages sont venus d'Orient. Les mages sont venus d'Orient. Les mages sont venus d'Orient. Il y a des personnes qui attirent des bénédictions lointaines. Il y a des personnes qui attirent des bénédictions lointaines. Quelqu'un viendra reconnaître ta valeur. Oh, je parle à une de mes filles ce matin.
Tu as investi dans la vie de cet homme quand il n'avait rien. Mais aujourd'hui qu'il est assis, il dit tu n'es plus à son niveau. Mais effectivement, il n'a pas menti. Parce que le niveau auquel tu appartiens arrive bientôt. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va déplacer des quêtes. Les Kebo Santaya, à partir d'aujourd'hui, quelque chose se passe. Les rois mages sont arrivés. Les rois mages sont arrivés. Les rois mages sont arrivés. Pas les mages, mais les rois mages. Pas les mages, mais les rois mages. Et lorsque les rois mages arrivent, ils posent une question. Ils disent, où est le roi qui vient de naître? Qui arrive? Les rois mages. Après qu'ils demandent, le roi qui vient de naître. Il n'y a que des rois qui savent qui est roi. Il n'y a que des rois qui reconnaissent leurs collègues. Des gens ne savent pas qui tu es parce qu'ils sont bas. Mais des gens qui connaissent ta valeur, des rois comme toi, des gens qui sont appelés à la grandeur, quand ils te voient, ils savent que tu n'es pas un petit. Quand ils te voient, ils savent que tu n'es pas une petite. Tes vrais amis vont arriver. J'enlève les hypocrites de ta vie. J'enlève les sorciers de ta vie. Les gens qui connaissent ta valeur, ils vont arriver. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Et ça va arriver maintenant. Ça va arriver maintenant. Les gens qui ne vont pas te critiquer. Les gens qui ne vont pas te critiquer. Ces personnes arrivent. Ta vie n'est que pleurs, ta vie n'est que murmure, ta vie n'est que soupir. Tu finis de donner à manger à des amis, mais ils se tournent pour te critiquer parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. Tu les loges toi, mais c'est eux qui savent que ton salon est sale. Tu les donnes à manger, mais c'est eux qui critiquent ta nourriture. Mais après ce message, Dieu t'enlèvera dans cette boule-là. Dieu t'enlèvera dans cet endroit-là. Dieu t'enlèvera parmi les incrédules. Dieu t'enlèvera parmi les hypocrites. Il est temps qu'on reconnaisse ta valeur. Quand tu regardes le ciel, qu'est-ce que tu vois souvent la nuit? Des étoiles. Une étoile, des étoiles. Les étoiles sont côte à côte. Ce matin, nous ne sommes pas ici en tant que des fidèles. Nous sommes ici comme des étoiles. Quand je dis ça, dis amen bien. Il y a des gens qui disent, mais papa, pourquoi une étoile peut être comme ça? Écoute-moi, il te faut raconter quelque chose demain. Ce que tu manges aujourd'hui n'est que le témoignage de demain. Ce que tu es en train de porter aujourd'hui n'est que le témoignage de demain. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui n'est que le témoignage de demain. Dieu veut t'utiliser pour fortifier des autres. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à manger, tu dis Dieu t'a oublié. Non, il dit ajoute ça dans le cahier pour que demain tu expliques à ceux qui n'arrivent pas à manger que je suis capable de prendre ceux qui ne mangent pas pour les envoyer à la table des rois. Oh, 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 oh. Quelqu'un se regarde dans le miroir, dit j'ai maigri. Lorsque je vois mes amis, je me cache. Mais le diable peut te faire maigrir. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est lorsque tes os apparaissent que tu deviens dangereux. La Bible dit, il prit l'os pour faire Ève. C'est à partir des os que Dieu crée les choses. Laisse la vie te faire maigrir. Laisse les choses te faire maigrir. Mais demain, Dieu fera quelque chose de nouveau avec toi. Où est le roi qui vient de naître? Un roi est né. Ma famille n'était pas reconnue, mais un roi est né. On ne demande pas après un roi dans la famille d'un menuisier. Le papa de Jésus est Joseph. Joseph n'est pas un roi, c'est un menuisier. Mais le père est menuisier, mais on arrive dans sa maison. On dit, où est le roi qui vient de naître? Ton papa est planteur, mais toi tu n'es pas planteur. Ta maman était ménagère, mais toi tu ne seras pas ménagère. Tu vas dépasser le lieu où ta maman est arrivée. Tu vas dépasser le lieu où ton père est arrivé. Les prières que ton père a fait avant sa mort vont arroser ta vie et tu grandiras. Je dis à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, ce que ton père n'a pas été, tu le deviendras. Ce que ton père n'a pas été, tu le deviendras. Je suis une étoile. Comment le savoir? Je nais dans un endroit répugnant. Je nais dans un petit endroit inconsidéré. Je nais parmi les animaux. Je suis de la classe de David. Je suis parmi les moutons. Mais je ne terminerai pas là. Le commencement n'est pas la fin. Toute ta vie, tu n'as connu aucune joie. Aucune joie. Tes amis rient et tu te poses la question, quand est-ce que moi aussi je vais rire?
Est-ce que je suis né pour devenir quelqu'un? Mais ton destin est entre les mains de celui qui ne trahit pas. Son nom, c'est Jéhovah Jireh. Son nom, c'est Jéhovah Shammah. Son nom, c'est Elohim. Son nom, c'est Elishama. Son nom, c'est El Shaddai. Il est l'étoile brillante du matin. Les gens t'ont lancé des problèmes, mais ils sont étonnés de te croiser encore dans la rue. Ils se sont dit assurément que tu mourras, mais tu continues de vivre encore. Malgré la densité de la nuit, l'étoile brille encore plus forte. Écoute-moi ce matin, tu es une étoile. Même si on envoie un océan de problèmes, même si on envoie un océan d'humiliation, tu ressortiras la tête parce qu'une étoile reste une étoile. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ta vie ne va pas reculer mais elle va avancer. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le temps de l'humiliation est terminé. Pour toi, Dieu sonne la cloche de la gloire. Le temps est arrivé où ton nom va retentir aussi. Le temps est arrivé où ceux qui t'avaient humilié, lorsque tu venais à l'église, diront où tu vas prier. Nous voulons aller là-bas. Ce Dieu est un Dieu d'amour. Il t'a pris de la boue. Il t'a fait asseoir à la table des grands. Tu es une étoile. Une étoile ne court pas vers les autres. C'est les autres qui courent vers l'étoile. Jésus ne s'est pas déplacé vers les mages. C'est les mages qui sont venus vers Jésus. Quand tu es une étoile, tu connais ta valeur. Une étoile n'est pas ridicule. Une étoile ne se minimise pas. Tu peux commencer dans la boue, mais tu finis dans la hauteur. Oh my God. Une étoile a fait un songe une fois. Il s'appelle Joseph. Il fait un songe où il voit des herbes. Et ensuite, il fait un songe où il voit des étoiles et des astres. Écoute-moi bien. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il arrive un moment où tu as comme l'impression que tu es des herbes. Où on pisse sur toi. Où on crache sur toi. Où on te piétine. Mais après ce temps, il vient le temps de l'étoile. Une étoile commence d'abord dans le rabaissement. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue. Donc si on ne te rejette pas, tu ne deviendras pas. C'est parce qu'on t'a rejeté que tu deviens. Ceux qui t'ont jeté pensent qu'ils t'ont jeté. Oh, ils t'ont projeté vers ton miracle. La plupart de ceux qui jettent des objets, la plupart de ceux qui jettent des choses, jettent mais sans se soucier de là où c'est tombé. Et on t'a jeté, mais malheur pour eux, tu es tombé dans la maison de PCK Ministry. Malheur pour eux, tu es tombé à Jésus-Christ de Nazareth. Malheur pour eux, tu es tombé dans le lieu du rassemblement des étoiles. Tu es une étoile. Que les événements de la vie ne t'amènent pas à penser le contraire. Tu es une étoile. Il y a des personnes qui veulent décrire ta vie mais ne peuvent pas. Tu es le seul et la seule qui connaît tes peines et tes douleurs. Mais je te dis ce matin, le mouchoir qui t'a servi à pleurer va te servir à danser. La gloire de Dieu va te visiter aujourd'hui. Non, ne te soucie pas de ceux qui t'ont abandonné. Tu sais, les hommes chantent les langages en fonction des saisons. Les mêmes qui ont dit tu es fini viendront pour dire tu es béni. Les mêmes qui ont dit tu n'étais rien vont venir dire pour dire tu es béni, hein. Oh, je dis à quelqu'un, la manne de Dieu va tomber. Est-ce que tu sais ce que signifie la manne? C'est la nourriture de Dieu dans ton désert. Pendant que tu penses que tu n'as plus rien, la manne va tomber du ciel. La manne signifie manou. Manou veut dire qu'est-ce que c'est que ça? C'est pourquoi après ce message, des gens vont voir ta maison, ils vont se poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Les gens vont voir ta voiture, ils vont se poser des questions, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis une étoile. Il te prend de la boue. Il te fait asseoir parmi les grands. Il te fait asseoir là. Et tu as comme l'impression que tu ne comprends pas. Ton diplôme ne vaut pas ces personnes, mais tu es assis parmi eux. Ton diplôme, c'est Jésus. Ta relation, c'est Jésus. Les gens vont se poser la question, mais comment elle a eu ça? Comment elle a fait? Demandez à mon papa, c'est Jésus. Marie a dit, mais comment ça va se faire? Il dit, Marie, laisse ça. Ça, c'est le vieux père qui gère. Dis à ton voisin, c'est le vieux père qui gère. C'est Jésus qui gère.
c'est le roi des rois qui gère. À cause, parce que ton sac est vide, tu dis que tu n'es rien. Dieu te donne un retrait chaque jour. C'est pourquoi tu te dis, mais je vais manger comment demain? Mais est-ce que tu n'as pas mangé hier? Tu mangeras encore demain. Après demain, tu mangeras. Parce que Dieu envoie. C'est lui le gestionnaire de ton compte céleste. Il te donne chaque jour. La richesse, ce n'est pas le fait d'avoir eu l'argent. La richesse, c'est d'avoir l'argent tous les jours. C'est la constance. Les anciens, ils disent, hier, là, j'avais l'argent. Ils se promènent avec deux ou trois repéros. Ils disent, toi, tu savais que j'avais une Mercedes, non? Toi, tu avais vu ma Mercedes que j'avais, non? On ne parle pas au passé. Dieu parle au présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je parle à une étoile. Ce que Dieu est en train de faire avec toi, c'est un miracle journalier. Tu as 20 000, mais tu n'es pas malade. Tu as 25 000, mais tu n'es pas malade. Tu as 20 000, mais tu as la paix du cœur. Tu as tes 1 million, mais tu es serein. Écoute-moi, à quoi c'est d'avoir 70 millions si ta maladie doit être soignée avec 80 millions? Tu es une étoile. Dis, je suis une étoile. Une étoile ne se rabaisse pas, camarade. Une étoile ne se rabaisse pas. Une étoile attend son temps. Une étoile n'est pas pressée. Une étoile ne passe pas toute sa vie à l'église. Dis, choque-moi. Oui. BCK ministre, tu peux faire culte du lundi au lundi. Hein? On a la force pour ça. Mais tu sais pourquoi on fait trois cultes seulement? Pour que les quatre autres jours, là, tu ailles travailler. C'est en travaillant que tu deviendras quelque chose. Ici là on vient prendre l'onction et puis on va montrer son monde. Si tu es ici tous les jours, on fait comment pour montrer aux gens que Jésus est Seigneur? Il faut que tu ailles travailler. On n'est pas des paresseux. On ne dort pas à l'église. L'église c'est la station de Dieu. Tu viens, tu fais le plein et tu cours sur la route. Je dis à quelqu'un, tu vas courir cette semaine. Et ceux qui vont te croiser vont te respecter. Ceux qui vont te croiser vont te respecter. Parmi vous ici, il y a des millionnaires. Parmi vous ici, il y a des milliardaires. Laisse le temps à l'Esprit de Dieu. Laisse le temps au Saint-Esprit. Il va te démaquiller. Actuellement, il t'a maquillé. Mais le Saint-Esprit va te démaquiller. Oh Seigneur, pourquoi on me fait tant de mal? Oh Seigneur, pourquoi c'est ma vie? Les gens sont méchants avec moi. Tu sais, Dieu permet qu'avant la gloire finale, tes ennemis soient démasqués. Oh, la comédie a tellement gagné ce monde que l'ennemi peut se faire passer pour un ami. Et toi, à cause de ton émotion, parce que tu penses que tout le monde est comme toi, tu vas tomber dans le panneau. Ton problème, enfant de BCK, c'est que tu penses que le cœur qui est dans ta poitrine là est pareil avec le cœur de ceux qui sont en face de toi. Tu penses que la même manière que toi tu es là, c'est comme ça tout le monde est. Tu as menti. Les gens sourient ici, mais sont noirs à l'intérieur. Ils te regardent, mais ils veulent ta mort. Ils te regardent, mais ils souhaitent ta chute. Mais quand tu parles, ils acclament. Mais en vérité, ils ne veulent pas te voir béni. La plupart du temps en Afrique, les gens te souhaitent le bonheur en janvier, beaucoup d'argent, beaucoup de bénédictions. Mais quand tu es béni, ils commencent à te critiquer parce qu'ils sont hypocrites. Mais écoute-moi ce matin, Dieu est en train de te montrer les véritables ennemis et les véritables amis. Ceux qui n'en veulent pas besoin d'argent pour t'aimer sont ceux qui vont rester à côté de toi. Il dit, il t'emmène dans le pays où coule le lait et le miel. Le lait attire les mouches, mais le miel est pour les guerriers. Celui qui a le lait va avoir les mouches. Quand il y a lait quelque part, les mouches arrivent, les hypocrites arrivent, les intéressés arrivent. Ta maison devient la maison du village. C'est chez toi, tu es la plus petite. Mais on dit, on va faire région chez la grande sœur. Grande sœur aujourd'hui, parce que tu as l'argent. Mais quand tu n'as plus rien, on dit, celle-là, on l'a conseillée jusqu'à n'a pas compris. C'est le monde des hypocrites. C'est le monde des hypocrites. Ne regarde pas au sourire de quelqu'un pour dire j'ai parents. Ne regarde pas au sourire de quelqu'un pour dire j'ai des amis. Laisse les épreuves arriver. Laisse le temps du maquillage arriver. Quand Dieu va te maquiller, il va te montrer qui est véritablement autour de toi. C'est le maquillage, les épreuves qui montrent à chacun qui est parent et qui n'est pas parent. C'est ce jour-là que tu appelles, la personne ne décroche plus parce que tu n'as plus rien. Mais laisse un peu de temps. Après le lait vient le temps du miel. Le lait se gâte, mais le miel ne se gâte pas. Le lait attire les mouches, mais le miel n'attire qu'à Tayandé. À partir de ce matin, si tu avais connu le temps du lait, Dieu t'envoie dans le temps du miel. Ils ont parlé de toi au passé, mais tu reviendras encore. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui reviennent dans des familles et les gens ont devenu les saluer? Parce que ce que tu as dit hier, je suis au courant. Vous savez, quand tu traverses la vallée, c'est là que tu connais ce que les gens pensent de toi. On dit, tel a dit ça. Il y a des gens qui sont morts à cause de ce que quelqu'un a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit là qui est important, mais celui qui a dit là.
C'est ça qui fatigue. Les gens peuvent t'insulter. Tu n'as pas de problème avec ça. Mais c'est celui qui t'insulte aujourd'hui là. C'est ça qui est ton problème. Il mangeait chez toi hier. Il chantait tes louanges hier. Mais aussi longtemps que Dieu ne t'a pas rabaissé, tous ceux qui sont venus te dire que lui là, celle-là, elle était mauvaise, tu n'as pas cru, tu l'as même chassé. Aujourd'hui, Dieu t'a rabaissé pour ouvrir tes yeux. Il y a des rabaissements qui ne sont pas des oublis de Dieu. Mais Dieu veut forcer ta tête à comprendre que les personnes qui sont autour de toi là ne t'aiment pas. Il y a des gens aujourd'hui qui n'avaient pas compris ça, mais ce matin qui ont tout compris. La vie est le meilleur conseil de l'homme. Lorsque la vie t'enseigne, tu comprends mieux qu'une oreille. Une étoile doit être enseignée. La vie doit t'enseigner. La vie doit te parler. Il y a des choses qu'on t'avait dit que, tu allais dire non. Il y a des choses qu'on t'avait dit celle-là, tu dis ça, c'est ma juju. Juju. Vous savez, un homme de Dieu peut prêcher la parole de Dieu, mais ce qui va apporter l'onction dans ton ministère, c'est les expériences que Dieu t'a données. Il n'y a pas quelqu'un qui a été trahi que moi dans le ministère. Dieu m'a permis d'aider des gens, mais qui se sont retournés. Parce qu'ils ont pensé que peut-être que. Mais un matin, bim. Oh, le bim du Seigneur est en train de te localiser ce matin. Maria Kebo Santayata. Après ce message, il aura un bim dans ta famille, un bim dans ton travail, un bim dans ton quartier, un bim dans ta génération. Les gens vont apprendre à te respecter. Tu ne seras plus mademoiselle, on t'appellera madame. Oh, 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 à qui je parle, à qui je parle, à qui je parle. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Reçois cela au nom de Jésus.